Alors, pilote derrière les lignes, c'est dans 3, 2, 1, go! Raté pour le upper hub du côté des rouges. 33-60 productif sur le upper hub, de même que 35-50 sur le upper hub. Les scores semblent s'égaliser alors qu'il reste une seconde. 18 à 12. The Red Alliance lead this autonomous phase. 80-67 rate sa balistique derrière le upper hub. Ce n'est pas le cas pour les bleus qui viennent de marquer dans le upper hub alors qu'il reste 118 secondes. 35-50 s'approche, on voit dans le upper hub. Upper hub, excellente balistique stable pour le 35-50. Les bleus marquent de manière efficace and take the lead, ladies and gents. 28 à 18 pour les bleus et c'est renforcé par ce upper hub en double du côté des bleus. 96 secondes restantes, 10 points sur 20 bonus bleu, 4 points sur 20 bonus rouge. De la tension se fait sentir, 31-17, 33-60, 31-17, repousse 33-60. Bleu rate son coup, 33-86, 35-50, réussit ce lancer vers le upper hub. Les bleus mènent significativement avec un score de 38 à 20. Plus que 60 secondes. Upper hub, bleu, 35-50. Upper hub, bleu, 35-50. Productif pour l'équipe, 35-50. 46 à 23 alors qu'il reste 40 secondes. Plus que 3 points pour le bonus des bleus, 17 sur 20. Les rouges sont en stratégie défensive alors que 33-86 est coincé. 35-50 se dirige pour un dernier lancer. 26 secondes, vite, on se dépêche vers les hangars. 33-60 sur l'avant-dernier. 74-61, c'est plaqué par son propre coéquipier. De l'autre côté, 33-86 entame la procédure. 31-17, encore collé au sol. Plus que 10 secondes. Plus que 10 secondes. Plus que 5 secondes. On mentionne que les bleus ont obtenu le cargo bonus. Et c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. With a score of 56, 35-50, 31-17, 33-86, se mérite 3 PC. Félicitations.